C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien, elle met de la joie sur son chemin. Oh, petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu t'envoles vers le soleil. Salut Ben, ça va? T'as vu, on a inventé un tout nouveau œuf. C'est génial! Dommage, je peux pas rester. Je dois tout préparer pour ma super fête. J'espère que vous viendrez m'aider comme promis. Eh ben... Oui, évidemment. On joue encore un peu tous les deux et on te rejoint, d'accord? Super, à tout à l'heure. Et regardez maintenant, à cause de vous, ma pauvre maison est en compote. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? T'inquiète pas, on va t'aider à trouver une nouvelle maison. Je reviens tout de suite. Oui, c'est à quel sujet? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais auriez-vous de la place chez vous pour un petit verre dont la maison est en compote? Non. Un seul habitant par pomme, et ici, c'est chez moi. Ouh, y a quelqu'un? Oui. Cette pomme est habitée? Oui. Il y a quelqu'un dans cette pomme? Oh, ben oui. Bon, je m'appelle Willy. Et toi? Philibert, je suis un verre de fruits. Ton ami a l'air sympa. Ouais, Maya, c'est ma meilleure amie. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Et on fait des tas de trucs tous les deux. Vous avez de la chance. Oui, moi je suis tout le temps tout seul. Ça y est, j'ai vérifié. Seulement, ben, toutes les autres pommes sont déjà occupées. Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Il faut que vous m'aidiez. Je croyais qu'on avait promis à Ben d'aller l'aider pour sa fête. Je sais, mais d'abord, on doit aider notre nouvelle amie. C'était vraiment génial. Suis-moi, je vais te présenter quelqu'un. Max! Max, tu es chez toi? Coucou, Maya! Max, je te présente Philibert. On vient de détruire sa maison. Oh? Tu pourrais lui prêter un de tes tunnels? Évidemment! Il y a de la place pour nous deux. C'est gigantesque! Oh, je vais me perdre, c'est sûr. Et puis, il n'y a rien à manger. C'est mieux dans un fruit. Dans un fruit? Alors, je sais où aller. Mais il faut se dépêcher. Ben nous attend. Voilà, tu peux faire tous les trous que tu veux et manger tout ce que tu veux. C'est vraiment merveilleux, tu trouves pas? Ouais, c'est pas mal. Seulement, j'aime pas les poires. Ça me rend malade. Et en plus, c'est trop petit pour une maison. Vous auriez pas une autre idée? On continue. Les petits vers sont durs à satisfaire. Même quand les abeilles font des merveilles. C'est vrai. Mais n'oublie pas que c'est nous qui avons détruit sa maison. Attends, je sais, on peut l'emmener. J'ai une idée. Allez, c'est parti. Y a quelqu'un? Personne. Votre nouvelle demeure, monsieur. Oui. Oui. Mission accomplie. Wouhou!
ce bruit? Quel bruit? Celui-là. Là. Il y a beaucoup trop de bruit et de circulation ici. J'arriverai jamais à dormir. Je le crois pas. Philibert, ces pommes sont très grosses et bien juteuses. Et en plus, il n'y a aucun autre verre dedans. C'est exactement ce que tu recherches. Bon, très bien, j'ai compris. Si vous n'avez pas envie de m'aider, il suffit de me le dire. Quoi? Oh, mais enfin, on t'a montré plein de super endroits. Oui, mais si seulement vous n'aviez pas détruit ma maison. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Il est vraiment jamais content, celui-là. C'est pas assez bien, et pâte de fruits, et pâte à coin. Moi, je vais rejoindre Ben. Je te rappelle qu'il nous attend pour l'aider à préparer sa fête. Reste encore un peu, Willy, s'il te plaît. D'accord, mais je trouve quand même qu'il exagère. Tu sais, Philibert, on veut bien continuer à chercher, mais ça va sûrement prendre un peu de temps. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Remettez-moi par terre, s'il vous plaît. Non, mais il se prend pour qui? Pour la reine des abeilles? Plus vite, Willy. Moi aussi, je commence à avoir très soif. Youhou, Philibert! Regarde, je t'ai trouvé ce que tu préfères, des pépins de pommes. T'en as mis du temps. Ça suffit maintenant. Cette fois, il est allé trop loin. Je vais rejoindre Ben parce que lui, au moins, il a vraiment besoin d'aide. Maya, tu peux aller me chercher d'autres pépins? Il n'en reste plus et j'ai très très faim. Quoi? Tu les as déjà tous engloutis? Bien sûr, tu dois m'en apporter d'autres. J'ai une faim d'asticot. Willy a raison, Philibert. Tu es allé trop loin. Je suis désolée, mais tu vas devoir te débrouiller tout seul. Je vais retrouver mes amis. Non! Attends, attends! Ne me laisse pas. Je t'en prie, Maya, reste. Emmène-moi avec toi, Maya! Pas abandonner ce petit ver solitaire. Oh non! Philibert, tout va bien? Oh, c'est quoi ce truc là, Philibert? Ça? Alors j'en ai aucune idée. C'est très étrange, mais Tu sais, je suis ton amie maintenant. Alors tu peux tout me confier. Eh ben, en fait, j'ai pas besoin d'une nouvelle maison. C'est juste que je vais me transformer en papillon. Alors c'est ça le cocon que tu étais en train de faire? Je voulais qu'on s'occupe un peu de moi. Je voulais pas rester tout seul. Parce que j'ai très peur de me changer en papillon. Non, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu vas devenir un super beau papillon. Et tu pourras voler sans l'aide de personne, avec tes ailes, tout seul comme un grand. C'est vrai? Oui, ce sera merveilleux. Tu verras. En tout cas, je te remercie pour tous ces moments vermeilleux. Je les oublierai jamais. On ne les oubliera pas non plus. Mais dis-moi, ton cocon, il peut attendre un peu? Vraiment gentille. Et quand je serai un papillon, on volera ensemble, d'accord? Oui, et on organisera une grande fête. Waouh! J'ai maintenant hâte de voler. Ha ha ha!
fais de beaux rêves, Philibert. Je veillerai sur toi. Viens, regarde. Il est en train de se réveiller. Waouh, j'ai hâte de le voir. Oh, c'est difficile. Alors, j'espère que tu es prêt pour ton premier vol. Oui. Allons-y. Youhou, vous êtes où? Oui, félicitations, Philibert.